comme un soleil. Des gens qui peuvent apporter même des parcelles.
Amen. Parce qu'il a besoin d'avoir un enfant. Il a de l'argent, mais il n'a pas d'enfant. Il est obligé. Donc, alors l'autre constat que j'ai fait, c'est concernant le corps. Nous prenons soin de notre corps plus que toute autre chose. Notre argent, c'est pour notre corps. Parce que on va acheter les habits, c'est pour le corps. On va acheter la nourriture, c'est pour le corps. On va acheter la maison, c'est pour le corps. On va acheter les voitures, c'est seulement pour le corps. Et quand tu regardes, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des maisons en France. Ils ont des maisons aux États-Unis. Ils ont des maisons en Afrique du Sud. Ils ont des maisons en Allemagne. Ils ont des maisons dans beaucoup d'autres pays. Mais pas seulement une seule maison dans une seule ville. En France, il peut en avoir dans même trois villes. Aux États-Unis, pareil. En Afrique du Sud, à Johannesburg, à Durban. Donc, des maisons partout. Mais quand tu regardes aussi, c'est un seul corps. Pour ce même corps-là, quand tu vas regarder dans chacune de ces villas-là, il y a parfois une chambre seulement pour les chaussures. Il y a une chambre seulement pour les habits. Et quand tu vas trouver dans ces villas-là, tu vas trouver qu'il y a des parkings. Pour un seul corps, quelqu'un a un parking peut-être de 10 voitures. C'est seulement pour un seul corps. Alléluia. Donc, pratiquement tout ce que nous avons, c'est pour le corps. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Genèse 6, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le verset 3 nous dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez tant de temps que nous prenons, tout ce que nous donnons pour le corps. Mais ce corps, la vie s'est limitée. Alléluia. La Bible dit c'est même 120 ans. Mais quand tu regardes dans la pratique, surtout chez nous en Afrique, les gens meurent à tous les âges. Il y en a qui meurent à 30 ans. Il y en a qui meurent à 40 ans. Il y en a qui meurent à 50 ans. Il y en a qui meurent à 70 ans. Quand tu regardes chez nous, ça dit que c'est difficile que les gens arrivent même à 70 ans. C'est rare. Quand quelqu'un arrive à 70 ans, c'est même un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous donnons tant de peine pour le corps. Mais l'ironie du sort, c'est quoi? Ce corps, une fois mort, ce corps, une fois a perdu la vie, on va creuser un petit trou. Je dis bien un petit trou. Et on va jeter le corps. Et ce corps va pourrir. L'ironie du sort, c'est quoi? C'est que je prends le cas de chez nous. Ailleurs, je ne sais pas. Maman, chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Au Gabon, je ne sais pas. Mais chez nous, les gens vont venir du village. Et c'est quel genre de gens? C'est parfois des gens que tu n'as pas connus. C'est parfois des hommes, des neveux, qui viennent du village. Quand ils viennent du village, tiens-toi bien. Ce n'est pas pour venir pleurer parce qu'il y a un mort. C'est parce qu'ils savent que tu as laissé les biens. Et après, c'est quoi? Parfois, on chasse et la femme et les enfants. Après, on s'accapare de tout. Alléluia. Mais quand tu regardes l'homme, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, il n'est pas préoccupé. Donc,
que celui qui a souffert aussi longtemps, il rentre dans le petit trou, ni les comptes en banque, ni les maisons, ni les voitures, tout ce qu'il a fait, c'est resté. Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, c'est celui-là qui va bénéficier. Alléluia! Pourquoi tant de peine? Alléluia! Nous allons lire encore un autre passage. C'est Genèse 2, verset 7. Au nom de Jésus, Genèse 2, verset 7. Verset 7 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Amen. Au fait, quand tu regardes l'homme, ce n'est pas seulement la chair. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui est en l'homme. La partie de Dieu qu'il a mis dans l'homme. C'est ça qui est le plus important. Parce que sans ça, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la vie. Aussi longtemps que Dieu avait formé l'homme, il a poussé la terre. Il l'a déposé là. Aussi longtemps qu'il n'avait pas soufflé, l'homme n'allait pas être un être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout a commencé quand Dieu a soufflé. Donc, l'homme, ce n'est pas seulement la chair. Alléluia. L'homme, ce n'est pas seulement la chair. L'homme, c'est aussi le souffle de vie que Dieu a soufflé dans ses narines. Sans ça, il n'y a pas la vie. Sans ça, il n'y a rien. Alléluia. Amen. C'est ça d'abord l'homme. Cette partie, l'esprit. Maintenant, la question que toi et moi, nous devons nous poser. Est-ce que, un seul instant, nous nous sommes dit, où est l'esprit? Où est le souffle? Où est l'esprit là qui me donne la vie? Où est l'esprit? Il est entre les mains de qui? Alléluia. Amen. Qui manipule ça? Qui est maître de ça? Personne n'est préoccupé. Parce que ça ne sert à rien. Sans le souffle de vie, il n'y a pas la vie. C'est ça qui fait partie du corps. C'est ça qui fait qu'on parle du corps. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce qu'un seul instant, on s'est posé cette question pour demander où est mon esprit? Il est entre les mains de qui? Il est manipulé par qui? Qui est maître de ça? Alléluia. Amen. Personne n'y pense. Et aussi, on se pose la question. Puisque le corps là, parce que tout le monde lit la Bible, tout le monde sait que tous mourront. Après, qu'est-ce qui se passe après? C'est que si le corps là meurt, on le met sous terre, il pourrit. Mais l'esprit, qu'est-ce qu'il va devenir? Il est où? Il sera où? Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si nous on a mis ce thème-là, parce qu'il faut que nous puissions prendre conscience de la situation. Nous rendre compte que la vie, c'est le point, la vie de la chair. La chair a la vie, mais l'esprit aussi a la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le corps meurt et l'esprit? Il reste. L'esprit se retrouve où? Parce que le temps de peine que nous donnons pour le corps, pour la chair, on devrait se donner la peine pour l'esprit là. Pour dire, pendant que je vis là, mon esprit est où? Pendant que je dors, mon esprit est là. Où? Pendant que je suis en train de dormir, mon esprit est où? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Parce que un jour viendra. Qu'on le veuille ou pas, un jour viendra. Et quand le jour là va arriver, le corps il sera sous la terre. Le corps il sera en train de pourrir. Le corps il sera mangé par les vers. Mais l'esprit il sera devant Dieu en train de répondre. Hey, Jésus. Alléluia. Amen. L'esprit sera là. Parce que c'est impossible que cet esprit là se retrouve au ciel avec Dieu. Si et seulement si, il ne remplit pas un certain nombre de conditions. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Recevoir Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est seulement une étape. Parce qu'il y a la marche. Et c'est dans cette marche-là, avec notre esprit qui est avec nous, qui va conditionner tout le reste. Est-ce que toi et moi, en tant que chrétien, nous nous posons cette question? Moi, personnellement, je n'ai jamais posé cette question. Mais j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié pour chercher à devenir grand dans mon travail. J'ai beaucoup prié pour avoir l'argent. J'ai beaucoup prié pour faire les affaires. J'ai fait les affaires, ça n'a même pas marché aussi. J'ai fait des sacrifices quand les hommes de Dieu sont venus. On a mis des chaises, oh, celui qui va s'asseoir sur cette chaise-là sera grand. J'ai pris ce qu'on avait avec ma femme, tout. On est venu donner. Mais aucun jour, on a fait un jeûne de 7 jours de notre esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous amener à comprendre que la vie, ce n'est pas seulement la chair. La vie, la chair a une fin. Mais la vie de l'esprit n'a pas de fin. Mais cette vie sans fin là, elle ne viendra pas comme ça. Parce que beaucoup de gens disent, non, qu'on a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth s'est fait crucifier, il a versé son sang. Il a payé le prix, c'est fini. Tu te trompes. Donc ça veut dire, comme lui il a payé le prix, tu peux te permettre tout, non? Alléluia. Donc, comme il a payé le prix, tu peux dormir et ton esprit peut sortir pour aller tuer. Non. À supposer que, pendant que toi, tu es en train de dormir, ton esprit s'est transformé en caïman. Il est parti tuer quelqu'un. Et que Jésus venait en ce moment. Est-ce que tu vas te retrouver au ciel? Alléluia. Amen. Nous devons nous poser cette question concernant notre esprit. Nous devons prendre le temps que nous prenons pour notre corps, pour notre esprit. Parce que c'est capital. Parce qu'après la mort, la chair, il y a la vie. Et quelle vie? C'est la vie éternelle. Et c'est une autre vie où il n'y aura plus de souffrance. Alléluia. Moi, on dit le soleil, c'est Jésus lui-même. Où il n'y aura plus de jour ni de nuit. Mais ce n'est pas avec la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job 32, verset 8 dit, on le dépose. Alléluia. Amen. Orientons l'homme, c'est l'esprit. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire ce corps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. La tente, c'est ça. La tente, c'est notre corps-là. La tente, c'est cette enveloppe-là. Mais dans cette enveloppe-là, il y a l'esprit. L'esprit-là, c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de la terre. La terre, c'est la chair. Alléluia. Amen. Mais ce que l'homme n'a pas, c'est l'esprit. Ce qui vient de Dieu-là. Ce qui est en nous-là. C'est ça. Une fois l'enveloppe-là,
Donc si le corps est détruit, si le corps meurt, si on enterre même, si les vers peuvent détruire ça, mais l'esprit là, qui vient de Dieu, qui vient du ciel, ne peut repartir qu'au ciel auprès de Dieu. Parce que l'esprit là, ce n'est pas céleste, c'est terrestre. Parce qu'il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Le corps terrestre, c'est la chair qui vient de la terre que Dieu a formée. Mais le corps céleste là, c'est l'esprit qui vient de Dieu et qui vient du ciel. Il doit repartir au ciel. Mais comment? Est-ce que à travers ta marche, à travers ma marche, c'est possible que notre corps là se retrouve au ciel? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. Pourquoi souffrir deux fois? Nous finirons par souffrir deux fois. On a souffert sur ce monde. On a souffert aussi longtemps nous avons souffert. Pitié. Alléluia. Alors que au ciel, on allait vivre notre vie. Mais on ira encore souffrir au ciel. Parce que si nous ratons le ciel, c'est le chaos. Parce que nous ratons le ciel, éternellement, nous serons en train de souffrir. Sans fin. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 40. Je lis au nom de Jésus, 1 Amen. Corinthiens 15, verset 40. Le verset 40 nous dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi un éclat de ce corps céleste. Au autre, celui des corps terrestres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu prends l'homme est composé de deux corps. Il y a le corps terrestre, c'est-à-dire cette chair, qui ne pourra jamais aller au ciel, qui finira seulement sur la terre. Même si tu arrives à 120 ans, tu finiras par mourir un jour. Et en mourant un jour, tu vas te retrouver sur la terre. Mais par contre, le corps céleste, celui qui vient de Dieu là, celui qui vient du ciel, il doit repartir au ciel. Alléluia. Amen. Mais s'il repart au ciel, mais il va prendre quel chemin? Parce que là-bas, il y a deux chemins. Il y aura le chemin qui mène à la gloire. Il y aura l'autre chemin qui mène à l'enfer. C'est quel chemin que notre corps céleste va prendre? Alléluia. C'est pas après la mort que nous allons chercher à préparer ce mort. C'est maintenant. C'est maintenant que tu es en train de nous parler. C'est maintenant que nous devons penser qu'il y a notre esprit. C'est maintenant que nous devons dire qu'est-ce qui se passe avec notre esprit. Parce que après tout, ce sera trop tard. Ce n'est pas les gens qui vont prier pour nous. Ce sont les actes que nous avons posés qui vont parler. Alléluia. Où il y aura une télévision, un écran qui va montrer comment quand tu étais petit, alors tu avais fait ça à quelqu'un, il a perdu le souffle de vie. Il y aura un écran qui va passer, qui va montrer les actes que nous avons posés. Il y aura un écran qui va montrer comment ton esprit était sorti. Et toi tu es mort sans enfant, c'est ton esprit qui est en train de couper tes enfants. Alléluia. Il y aura un écran. C'est à l'issue de ça que tu sauras. Toi-même, tu ne vas pas te poser de questions. Tu verras que le chemin que tu dois prendre, c'est à droite ou à gauche. Alléluia. Amen. Que le monde, non, que le monde ne nous trompe pas. Il n'y a personne. On n'a pas vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont partis avec l'argent. On n'a pas vu des gens. Il achetait la meilleure voiture du monde qui coûte plus cher que le monde. On l'a enterré pour la meilleure voiture à côté. Mais même si on mettait ça à côté, le corps là sera rongé par les vers.
Donc la voiture là va courir sur la terre pour rien. Alléluia. Amen. Nous devons penser plutôt à notre esprit. Parce que c'est seulement notre esprit qui va nous amener auprès de Dieu. Et il y a un seul passage. C'est par l'esprit, c'est par la marche de la sanctification. Il n'y a pas autre chose que ça. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Dieu est esprit. Le diable est esprit. Toi et moi aussi, nous sommes esprit. Parce qu'en nous, il y a la chair et il y a l'esprit de Dieu qu'il a mis. Et c'est cette partie-là qui va faire de nous ce que nous allons donner. Parce que cette partie-là, soit nous-mêmes nous sommes maîtres de ça et personne ne peut nous manipuler, soit le diable, il est maître de notre esprit et il manipule notre esprit et il souille notre esprit et notre esprit s'éloigne de Dieu et notre esprit finit par nous amener où? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous vivons. C'est seulement à cause de l'esprit. Il y a des gens qui sont morts sans enfants. C'est eux-mêmes. Mais pas parce qu'ils voulaient le faire, mais parce que le diable a manipulé leur esprit et eux-mêmes, ils ont tué leurs enfants chaque jour. Après, ils se sont retrouvés comme ça. Tu vas te retrouver devant Dieu. Dieu va te demander où sont tes enfants. Toi, tu vas dire non, moi je n'ai pas eu d'enfant. Toi, tu ne vas pas donner d'enfant. Il dit, c'est pas vrai. Moi, je t'ai donné des enfants, les gars. Il te montre comment toi tu es en train de le faire. Et tu regardes. Et tu te rappelles bien que effectivement, je rêvais que je tuais les petits poissons. Mais le monde spirituel a un langage. Mais si tu n'es pas dans la prière, tu ne connaîtrais pas que les petits poissons que tu es en train de tuer là, ce sont tes enfants. Mais tout ça, il faut seulement que tu sois dans la prière, dans la sanctification, dans la recherche de ce qui se passe avec ton esprit. Alléluia. Combien de fois Dieu ne nous a pas montré? Bon, surtout les chrétiens, surtout les combattants. Ils voient bien ça. Hein? Ils disent sans effet. Ce qui est révélé condamné. Mais ce n'est pas vrai. Et tu dors, après tu te réveilles, tu vois encore ça, trois jours après. Mais quelque chose ne va pas. Ce qui est révélé condamné, mais tous les jours tu vis ça. Alléluia. Donc ça veut dire, il se passe quelque chose. Amen. Nous prenons tant de temps pour notre corps. C'est une très bonne chose. Des sacrifices pour chercher à avoir des enfants. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. De la même manière que nous faisons ces choses pour notre corps, faisons-le pour notre esprit. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit, c'est plus que tout. Après la mort de la chair, il y a la vie. Et quelle vie? Moi, je rêve vivre cette vie. Alléluia. Amen. Je rêve vivre cette vie. Je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Il m'arrive des fois, quand je pense à ma femme et mes enfants, j'ai envie de rester encore avec eux. Et j'ai envie de voir comment ils vont se marier. J'ai envie de voir comment ils vont avoir des enfants. Mais de l'autre côté, quand je regarde ce monde avec tout ce qui se passe, avec l'injustice, avec tout, je n'ai pas envie. Mais quand je pense à mes enfants, je pense à ma femme. Donc je suis comme Paul, il est partagé. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. En conclusion, nous allons lire Jean 14, 1 à 2. Jean 14, 1 à 2.
votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus est venu sur terre. Il est venu pour préparer son peuple à l'enlèvement. Il est venu, il est resté. Après, il devait partir. Il appelle les disciples et commence leur aide. Alléluia. Amen. Mais tenez-moi bien, tenez-vous bien. Mais ce n'est pas la chair. La place là, ce n'est pas réservé pour la chair. Alléluia. La place là, ce n'est pas réservé pour la chair. Et la place là, c'est maintenant là qu'il faut préparer. Donc les maisons que nous préparons ici, tout ce que nous faisons pour avoir les maisons ici, faisons pour avoir cette maison, cette demeure là qui est là-bas. Parce que la demeure là, elle est éternelle. Amen. Amen, amen. Alléluia. Elle, c'est maintenant là, maintenant, nous devons construire cette demeure. Chaque jour, nous devons construire cette demeure. Dans notre marche là, c'est dans notre marche que nous construisons cette demeure là. Lui, il est parti seulement pour préparer. Il est là-bas, il prépare pour nous. Il intercède pour nous. C'est pour que nous, ici, nous devons chaque jour préparer cette demeure-là. De la même manière que nous mettons tous les moyens pour avoir des belles maisons ici sur terre. Faisons cet effort-là. Alléluia. Parce que le jour viendra où ça sera fini, où on va parler de nous. Comment on appelle le défunt? Quand on parle de toi, le défunt, c'est fini. Mais maintenant, l'esprit. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu voulait nous interpeller, toi et moi. Il voulait que nous comprenions une chose, que la vie, c'est pas seulement la chair. Après la mort de la chair, il y a la vie. C'est plus important que tout. Voilà pourquoi nous devons connaître ce qui se passe avec notre esprit. Nous devons nous poser la question, où est notre esprit? Où est notre esprit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est entre les mains de qui? Alléluia. Et nous allons rester toujours dans la recherche de Dieu, dans la prière, pour notre esprit, afin que le moment venu, que nous ne puissions pas nous retrouver dehors, comme il s'est dit là-bas, Apocalypse. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Yes, écoutez la parole de nos prophètes.
Sayonara.